Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle équipe, pour faire la présentation d'une nouvelle formation. Et aujourd'hui, c'est une formation suisse avec l'équipe Tudor Pro Cycling. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment des compétitions de biathlon. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, et puis TikTok, le débrief des compétitions en direct, ça je l'ai déjà dit. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec la vidéo du jour du côté de Tudor. Une équipe, eh bien... intéressante, l'équipe Tudor, équipe qui a fait un gros recrutement pendant l'intersaison. C'est AT avant Swiss Racing Academy, donc la structure existe depuis 2019, même si la structure a quand même bien évolué entre Swiss Racing Academy et Tudor, avec notamment l'arrivée de Boris Zimin. Vous avez également Cancellara qui n'est jamais très loin. Équipe qui a un gros staff derrière, avec notamment des coureurs, je pense à Seeberg, Tosato, qui ont eu une belle expérience parfois même en tant que directeur sportif dans d'autres formations. Et ce qui fait que si on revient sur la saison 2023 de cette équipe, eh bien c'est plutôt très intéressant pour une première année avec 11 victoires. Notamment des Pro Series, des belles épreuves en France aussi, ça c'est très très bien. Victoire sur Milan-Turin, on s'en souvient, avec Arvin de Kline. Et puis on a un top 10, deux top 10 même sur des World Tours, ça c'est très très bien, avec une énorme saison d'Alexander Kamp, très grande saison d'Arvin de Kline. On rajoute à ça également Yanis Voissard, qui n'a pas été mauvais sur la saison, ça fait quelques résultats pas mal quand même sur l'année. Et puis moi je voudrais noter une équipe qu'on a souvent vue aussi à l'avant du peloton. C'est pas une équipe qui a joué petit bras, Tudor. Il y a des formations comme ça sur leurs premières années, même s'il y a des bons coureurs. On attend un petit peu de voir ce que ça va donner, donc on regarde un petit peu à droite, à gauche, et puis on joue petit bras parce que voilà, on attend de mettre en place, on va dire, l'équipe. Alors que là, je trouve que d'entrée, quasiment, c'est une équipe qu'on a vue à la tête des pelotons, notamment Milan-Turin, il le gagne très vite au mois de mars. Je pense que ça leur a fait beaucoup de bien de gagner cette épreuve sur un gros sprint avec un gros Arvin de Kline. Et puis ensuite, ils ont fait un gros mois d'avril. Mais en fait, la saison est très intéressante du côté de Tudor, malgré le fait qu'ils aient et qu'ils ont eu assez peu d'invitations sur les épreuves World Tour, comme Q36, ce n'est pas les équipes qui ont eu le plus d'invitations, ils ont montré vraiment des très très bonnes choses. Et sur les épreuves World Tour où ils ont été invités, il y a eu des résultats. Donc ça en plus c'est très satisfaisant quand tu as ces résultats sur les épreuves World Tour. Une invitation qui ont converti par top 10, c'est une réussite pour cette formation-là, mais c'est une formation, encore une fois, qui a une belle structure. C'est-à-dire que, déjà, vous avez un gros sponsor. Tudor, c'est quand même un sponsor qui met de l'argent. Tudor a notamment été sponsor aux États-Unis du championnat américain d'endurance en course automobile. Tudor est présent depuis maintenant de nombreuses années en tant que sponsor pour des compétitions. Je ne sais même pas s'ils n'avaient pas fait la Coupe de l'América, Tudor, à une époque. C'est une équipe qui est là depuis c'est un sponsor qui est là depuis de nombreuses années. C'est un sponsor qui commence à vraiment être très présent dans le monde du sport. Et une équipe cycliste, ils ont mis les moyens, tout simplement. Et Q36, certes, qui a les moyens, mais Tudor, ce sont des gros moyens. On est déjà sur un gros budget et ça se voit rien que sur le recrutement de l'intersaison, encore une fois, qui est énorme. C'est l'une des équipes qui a le plus recruté, on disait avec Uno X, avec Lidl. Ça fait partie des 3-4 équipes qui ont fait le plus gros recrutement au niveau des coureurs, avec des très bons coureurs en plus qu'ils ont réussi à récupérer. Donc ça, c'est très très bien. On poursuit avec les victoires, parce que je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur la Tudor, à part que c'est une équipe que j'ai appréciée au niveau des résultats, tout simplement. C'est une équipe que j'ai trouvée très bien. Et maintenant, j'attends de voir s'ils vont confirmer en 2024. Ça va être l'objectif.
Donc du côté des victoires, on en parlait, 11 victoires sur la saison. Première victoire, donc c'était Milan-Turin, c'était au mois de mars. Ça enchaîne ensuite avec le Région Pays de la Loire Tour pour Alexander Kamp. Joël Sutter remportait la troisième étape du Tour de Sicile. Simon Pelaud remportait le Tour de Bretagne cycliste. Yanis Voissard, la quatrième étape du Tour de Hongrie. Arvin De Kline qui a remporté la troisième étape des Boucles de la Mayenne et du ZLM Tour. Ça, c'était en mai et juin. Le championnat de Suède, la course en ligne pour Lucas Eriksson. Et puis Arvin De Kline qui a remporté la quatrième étape du Tour d'Allemagne. Et l'étape 1 et l'étape 6 du Tour de Langkawi. 11 victoires, si on compare à Swiss Racing Academy, eh bien c'est plutôt une belle réussite parce que ça égale le record de 2022 pour cette structure et on est largement mieux que sur les trois premières saisons, 2019, 2020, 2021, où cette équipe, sur les trois premières années, n'avait eu que 7 victoires. Donc on est sur 11 victoires par an sur les deux dernières années, donc c'est vraiment très très bien. Du côté des transferts, pas de coureurs qui partent de Tudor, ça c'est rare d'avoir une équipe où il n'y a vraiment personne qui a décidé de partir. Et puis 7 coureurs qui arrivent, notamment 4 coureurs allemands, dont 3 de la DSM, Meyerhofer, Marco Brenner, Florian Stock, on rajoute à ça Alexander Krieger d'Alpecine, vous avez Dainese de la DSM également, Storer qui a été chez Groupama et Trentin chez UAE. Quand on parlait de la qualité du recrutement, ça se voit. On a quand même un vainqueur sur les grands tours dans le cas de Dainese. Storer qui a gagné également sur le Tour d'Espagne, on connaît ses qualités de grimpeur. Trentin, on n'évoque même plus le palmarès non plus. Et puis Meyerhofer, coureur jeune et prometteur, qui était très intéressant chez les Espoirs. Donc vous voyez que c'est quand même une grosse, grosse équipe qui va être intéressante. On regarde tout de suite l'effectif 2024, bien plus fourni en termes de nombre de coureurs. On passe à 28 coureurs. Donc là, l'année dernière, c'était, je dirais pas un petit effectif, mais comme Q36.5, ça ne faisait pas partie des plus gros effectifs du peloton. Là, on est sur un très gros effectif. Et puis avec des talents. Du côté du coureur le plus âgé, c'est Sébastien Reichenbach qui a 34 ans et 239 jours. Le plus jeune est Marco Brenner qui a 21 ans et 148 jours. Vous avez 7 coureurs qui ont 30 ans ou plus. Tom Bolli, ça vient d'arriver, il a 30 ans et 5 jours. Vous avez Alexander Kamp, Roland Thalmann, Simon Pelaud, Alexander Krieger, Matteo Trentin et Reichenbach. Aucun coureur n'a plus de 35 ans. Une dizaine de coureurs voilà, qui a moins de 25 ans. On a Michael Zillard, vous avez Zillard, vous avez Jakob Eriksen, Arthur Klukkers, Mika Henning, Niels Brun, Alois Charin, Marius Meyerhofer, Piet Kelemen, Rick Plumers, Sébastien Kolse, Sean Ziggy, Hannes Wilkisch et Marco Brenner. Effectif qui a progressé en termes de qualité. On avait quelques très bons coureurs déjà dans cet effectif, De Kline notamment, et puis vous aviez également Joël Sutter, qui est un coureur qui progresse. Mais c'est vrai que pour moi, la vraie star l'année dernière, c'était De Kline et Kamp, qui étaient les deux gros stars de l'effectif. On récupère encore des coureurs, beaucoup plus internationaux que sur la première saison, où c'est vrai que l'équipe était très suisse. On a été chercher des Allemands, des Italiens. On s'est un peu fourni chez DSM avec les jeunes pépites de la DSM. On a beaucoup de talent du côté du sprint, un peu moins en montagne, avec quand même Storer qui aura un statut de leader, pour moi. Mais surtout beaucoup de très bons coureurs du côté du sprint. Vous avez De Kline, Dainese, Meyerhofer, Trentin n'est quand même pas un manche dans ce domaine-là. Vous avez des coureurs comme pour emmener, je pense notamment Kamp qui est capable d'emmener et de gagner des sprints, mais je pense également à Alexander Krieger qui l'a fait du côté de Alpecin. Donc c'est vraiment une équipe très très solide et qui va avoir des résultats. Et quand tu regardes, les trois quarts de l'effectif ont moins de 28 ans aussi. Donc ça, c'est des signes qui sont très intéressants. C'est-à-dire c'est un effectif pour l'avenir et pour une équipe qui va certainement avoir des résultats dans le futur. On passe au coureur à suivre. Premier coureur à suivre, Alexander Kamp. Très bonne saison en
2023 pour Alexander Kamp dans ce registre sprinter puncher. On va dire ça, Alexander Kamp. 7e du Grand Prix de Québec, 9e de l'Amstel. Donc c'est vraiment aussi un profil de course qui lui convient extrêmement bien. La Bretagne classique un peu plus loin sur cette épreuve-là, qui peut aussi lui convenir. C'est un coureur qui peut être performant également, je pense, sur un Milan-San Remo. Je ne sais pas si l'équipe est invitée pour Milan-San Remo, mais ça serait dommage de ne pas l'inviter. Une première année qui est réussie pour moi, notamment en région Pays de la Loire-Tours, 6e de la Flèche Brabanson. Ça a été un peu plus calme sur le Tour de Romandie. Très bon Tour de Norvège aussi où il fait 5e. Grosse surprise d'Erkantos à Argo, 5e. 6e du Tour de Danemark aussi. Bon, fin de saison qui a été un peu plus difficile avec deux abandons coup sur coup à Giro del Veneto et Veneto Classic où il aurait pu peut-être faire quelque chose. Mais l'année plutôt réussie d'un coureur qui pourtant était professionnel depuis 2012 malgré tout n'avait jamais eu véritablement sa chance dans les formations auxquelles il était passé. C'est vrai que même chez Trek, on ne lui avait peut-être pas donné les clés pour réussir. Je regarde même ses résultats chez Trek, oui, 2020, 2021, 2022. Ce n'est pas foufou chez Trek. Et ben là, il a fait une énorme saison 2023. Meilleure saison de sa carrière. Et il se retrouve en fin de contrat à la fin de saison. Et il va être courtisé, je pense, sur le marché des transferts. Et Tudor va devoir peut-être se battre un petit peu pour aller le conserver. Mais c'est vrai que ça ne m'étonnerait pas que pas mal de formations soient intéressées par Alexander Kamp, parce qu'on est sur un coureur qui a un très bon talent. Et puis c'est un coureur qui peut scorer énormément sur les courses UCI. Donc ça fait des points. Et encore une fois, quand on va être à la fin de saison, là vraiment ça va être la course aux points. C'est un peu comme Albanese, c'est des coureurs qui sont capables de marquer pas mal de points. Et lui, il est plus efficace que Albanese. Donc l'année dernière, il a été plus efficace qu'Albanese. Donc j'attends de voir ce que ça va donner en 2024, s'il va réussir à confirmer. Début de saison, à partir de mercredi, trophée au Calva. Et puis il fait les 5 courses, lui, de Palma de Mallorca. Il fait partie des rares coureurs qui vont faire Calva, Salines, Tramuntana, Port d'Andrache et trophée au Palma. Donc ça va être du lourd. Pour Coco. On continue avec Storer. Bah, lui, il a déjà commencé sur le Tour de Lander, où il a été discret, on va dire, sur le Tour de Lander. On va dire ça comme ça. Sur la Vuelta, avec la Groupama, il prend 2 top 5 en individuel. 3e du classement de la montagne de cette course, vainqueur du Tour de l'Ain l'année dernière. Notamment sur l'étape de l'Elex Montjura. Sinon, c'est vrai que son passage chez Groupama restera, je dirais, pas dans les annales, parce qu'on s'attendait un petit peu mieux, surtout après sa fin de saison 2021 qui avait été excellente. C'est pas catastrophique, mais c'est en retrait. Il a eu quand même aussi un rôle d'équipier sur pas mal de courses, qu'il faut rappeler aussi. C'est dommage, c'est qu'il perd presque en étant au top. C'est-à-dire qu'il fait une belle Vuelta, Tour du Limousin, il est 3e. Donc c'est vrai que sur sa fin de deuxième partie de saison, ça a été excellent. Sur la première partie, ça a été moins bien. Et surtout, on s'attendait à mieux chez Groupama. Et Groupama ne s'est pas battu pour le conserver. Je pense qu'il coûtait un peu cher, tout simplement, Storer. C'est vrai que ses résultats sont pas suffisants. Et je pense que ce qui va être bien, c'est de voir comment il va marcher du côté de cette formation Tudor, parce que c'est un coureur qui peut vraiment aller taper des résultats sur les courses d'une semaine. Sur les courses de 3 semaines, je pense que je m'étais un petit peu emballé sur lui et que ça sera plus compliqué, mais sur les courses d'une semaine, il peut marquer des points. Ça peut être un coureur donc très intéressant pour une équipe qui va être présente sur des courses ASO, sur des courses également, pourquoi pas Tirreno, je ne sais pas s'ils font Tirreno, je ne sais pas trop quel calendrier ils ont, mais ça peut être un coureur qui peut être pas mal. Et puis, coureur qui commence maintenant à avoir un petit peu d'expérience, un petit peu de bouteille. Aussi Storer, mais qui reste un coureur jeune, c'est-à-dire qu'il a 26 ans.
même s'il est professionnel depuis 2018, à la Sunweb, après avoir été formé par Mitchelton Scott, et puis ensuite Groupama. Et donc c'est sa troisième équipe, et c'est la première fois qu'il se retrouve en deuxième division. Contrat de 3 ans pour Coco, alors qu'il va bientôt avoir 27 ans, c'est horreur. Marius Merhofer, lui, il est intéressant, Marius Merhofer, profil également sprinter, qui a fait le travail notamment sur le Giro pour Dainese en fin de course et qui a fait un énorme travail sur l'étape de Cahorlé que Dainese remporte. Il avait pris également une cinquième place à San Salvo, deux fois septième, notamment à Casano Magnano et à Tortona, huitième à Naples. Vainqueur de la Cadel Evans Great Ocean Road Race, seulement 54 jours de course l'année dernière pour lui, qui avait pris également une troisième place à Bremen sur le Tour d'Allemagne. Pour l'instant, pour moi, c'est un coureur qui n'a pas encore réussi à exploiter l'entièreté de son potentiel. On sait que c'est un coureur qui va être très bon, parce qu'il a été intéressant chez les Espoirs. C'est un coureur qui était atypique, parce que chez les Espoirs, il avait sa propre équipe quasiment avant d'arriver chez Sunweb, enfin chez les juniors, il courait dans sa propre structure, ce qui était un peu inédit à l'époque. On sait que c'est un coureur qui a des très grandes qualités, notamment au niveau du sprint. Jusqu'à maintenant, il n'a pas réussi à exploiter ces qualités-là. Alors c'était bien mieux en 2023 que sur ses premières saisons, c'est vrai qu'on commençait à être un petit peu inquiet. Maintenant, va falloir voir comment il va réussir à confirmer ça chez Tudor. Je pense qu'il arrive au bon moment dans cette formation, parce que lors de la première année, il ne va pas avoir trop de pression sur les épaules. Cette pression, elle va peut-être augmenter au fur et à mesure. Et puis que, il va pouvoir trouver également des réglages sur une équipe qui sait faire au niveau du sprint. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a montré avec Arvin De Kline qu'elle savait emmener des sprints. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Je continue avec un coureur qui était déjà là l'année dernière, Aloïs Charrin, le Français. Grimpeur Aloïs Charrin qui lui aussi va faire les 5 courses de Palma de Majorque, puis l'étoile de Bessèges et le Tour d'Antalya. Donc lui, il a un énorme début de saison. Produit de Swiss Racing Academy, avant il était passé chez Van Riesel, donc l'équipe réserve d'AG2R, Aloïs Charrin, né à Lyon. J'attends mieux de ce coureur-là. C'est-à-dire que c'est un coureur qui doit progresser maintenant en termes de résultats. Et ça serait bien qu'il le montre en 2024. Donc il est un petit peu attendu au tournant. Jusqu'à maintenant, c'est un coureur qui a eu des trucs intéressants, notamment chez les Espoirs. Quatrième de Liège-Bastogne-Liège. C'était le Liège-Bastogne-Liège remporté par Romain Grégoire. Donc il finit derrière Van Edvelt, notamment. Derrière Gwen Leclinch, également qui avait fini troisième ce jour-là. Gwen Leclinch qui est chez Philippe Wagner cette année. Mais ouais, j'attends de ce coureur qu'il arrive à avoir des résultats, qui voilà, trouve un petit peu des solutions au niveau de la performance. Donc ouais, j'aimerais mieux quand tu finis devant Stone Mitet, Le Cerf par exemple ce jour-là, devant Gaiders, devant Niels Brun même. Il y a un moment, ça serait bien d'avoir les résultats, quoi, parce qu'on sait que c'est un coureur qui a des qualités, on sait que c'est un coureur qui a un grand talent. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il a eu du mal à le démontrer à Aloïs Charrin, donc ça serait bien que le talent commence à se voir, parce que c'est vrai que sa première année, on va dire, chez Tudor, ça a été un peu trop discret à mon goût pour ce coureur-là. Je pense que c'est un coureur qui est capable de faire bien mieux. Bon, on attend de voir ça du côté du Trofeo Calvia. Et puis, peut-être même sur le Tour d'Antalya, il pourra avoir un statut de leader. Tour d'Antalya, le 8 février. Je rappelle que l'année dernière, cette course n'avait pas eu lieu. Cette course avait été annulée. Donc, ça sera la cinquième édition. C'est une course 2-1. Avec notamment, au départ, Silkendalm. Il y aura également Finlay Pickering chez les jeunes coureurs. On aura Coulset, on aura Matteo Badiati aussi, Zamancello de Kazan, avec Piganzoli. J'ai regardé le résultat, il a l'air très intéressant. Il y aura également du monde chez Coratec.
Il y aura TDT qui sera au départ. Il y aura Shalina Glory, Adria Mobile. Donc une course où on peut avoir pas mal de jeunes coureurs qui peuvent se montrer. Il y aura Bikehead également. Et il y aura la Vorarlberg qui sera présente aussi. Mais voilà, avec deux équipes World Tour. 5, 6, 7, 8 équipes, 9 même équipes de deuxième division. Dorian Percule également chez Novo Nordisk. Donc ça peut être très bien de voir ce que ça donne. Arvin De Kleyn. Très bonne saison d'Arvin De Kleyn. Encore une fois, pour moi, ça a été une des révélations sprint de l'année. Je savais qu'il avait un grand talent, mais je ne m'attendais quand même pas à ce qu'il arrive à être performant à ce niveau-là. Surtout sur des épreuves où il y avait quand même du monde. Je pense Milan-Turin, c'est pas un petit sprint. Même là, on voit le Great Tour of Gandhi, il fait deuxième à Kinsou lors de l'étape numéro 2. Et il fait quand même 4 top 10 sur cette course-là. Tour de Langkawi, il remporte deux étapes. Une étape du Tour d'Allemagne, donc à Bremen, où il bat notamment Merhofer. ZLM Tour, il bat Olaf Koy. Il n'y a pas beaucoup qui ont battu Olaf Koy l'année dernière. Donc c'est vraiment un coureur qui est très très intéressant. Donc moi j'attends de voir la confirmation, tout simplement, du côté d'Arvin De Kleyn. En 2024, coureur qui sera en fin de contrat. Arvin De Kleyn, il pourrait intéresser pas mal d'équipes s'il confirme au niveau des résultats, encore une fois, en 2024. Et puis je termine avec Matteo Trentin. Pour moi, c'est son dernier contrat à Trentin, hein, 3 ans du côté de Tudor. Coureur on connaît ses qualités de sprinter, qui passe extrêmement bien les bosses. Il a encore eu des résultats l'année dernière avec UAE. Il a eu des résultats avec UAE alors qu'il n'était pas leader dans cette équipe, notamment 4e au Mémorial Frank Vandenbroek à Binche. 4e du circuit Getcho, 2e de la dernière étape du René Wu Tour. On sait que c'est un mec qui est super fort sur les classiques, qui jusqu'à maintenant n'a pas toujours eu le statut de leader, n'a pas toujours trouvé l'ouverture. Vainqueur du Samin notamment, de la Primus Classique également. Vainqueur d'étape sur la Vuelta, sur le Tour de France et sur le Giro. 2e des championnats du monde en 2019. Vainqueur des championnats d'Europe en 2018. 29 victoires chez les pros. Et il a gagné quand même des très très belles classiques d'un jour, Trentin. Ça fait depuis quelques années qu'il n'a plus forcément statut de leader chez UAE. Donc j'ai envie de revoir le grand Trentin sur les classiques. Encore une fois, c'est un coureur qui a été performant sur des courses d'un jour, mais en dehors des pavés. J'attends de le revoir performant sur les classiques flandriennes. Lui, il redémarre au Grand Prix cycliste de la Marseillaise. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait beaucoup de Coupes de France dans ses carrières Trentin, mais c'est un coureur qui a le profil pour s'imposer sur la Marseillaise en cas de sprint en petit comité sur cette épreuve. On verra ça, ça sera samedi prochain. Et bien d'ici là, on regarde le maillot 2024, très similaire au maillot 2023. Je pense que les changements, c'est un peu le jeu des 7 erreurs. Donc toujours reconnaissable ce maillot, encore plus avec... ça aurait été compliqué avec Ineos quand à l'époque où Ineos avait noir et rouge, parce que c'est vrai que les couleurs sont similaires, mais je trouve que voilà, on reconnaît très facilement ce maillot noir avec ce gros logo rouge. Donc c'est une équipe qui a une identité visuelle assez forte, je trouve. Donc il n'y avait pas besoin de changer de maillot, encore une fois, puisque l'identité visuelle est très importante aussi pour le sponsor et que le maillot reprend les couleurs importantes de Tudor. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!